Salut Fibre. Alors je te présente ici un petit tutoriel si tu es intéressé une fois pour utiliser ton smartphone, la caméra de ton smartphone pour un unboxing. Donc la seule chose que tu aurais à faire, c'est installer l'application IP Webcam sur ton téléphone. Et il y a plein de paramètres, mais tu peux simplement en bas lancer le serveur. Et en faisant ça sur ton téléphone, tu auras l'image de ta caméra et tu vas avoir ici en bas une adresse IP qui va apparaître, qui est l'adresse IP de ton routeur. Donc le signal ne part pas sur Internet, il part uniquement sur ton routeur. Et ce qui te permet, si tu rentres l'adresse URL dans Safari par exemple, de récupérer tous les paramètres si tu veux configurer ta caméra, mais plus simplement directement le flux vidéo en tapant un slash vidéo ici. Oups. Et maintenant, tu as le flux de ta caméra dans Safari. Et c'est cette adresse URL qui est importante, que tu vas pouvoir indiquer directement dans OBS. Je l'ai déjà ici, en fait, injecté. Et donc ici, j'ai l'image de la caméra de mon smartphone directement dans OBS qui apparaît. Donc il n'y a pas besoin d'avoir Safari lancé. Il suffit juste d'avoir cette adresse et d'avoir IP Webcam qui tourne sur le téléphone. Donc si tu veux ajouter à la main la source, une fois que donc tu as ton téléphone qui tourne, tu peux ajouter un browser, l'adresse, c'est l'adresse ici, donc cette URL là avec le slash vidéo. Pour avoir la qualité maximum, tu peux monter en 1920-1080 et surtout activer ce refresh browser pour que l'image se remette à jour au moment où tu vas éteindre par exemple la caméra. Quand tu vas passer d'une scène à l'autre, la caméra du téléphone va se rafraîchir. Et évidemment que c'est compatible avec la webcam que tu utilises sur ton ordinateur. Tu peux évidemment avoir les deux en même temps. Donc ici j'ai ma webcam. Bon, il se trouve que j'ai un post-it devant, donc on voit pas mon visage, mais c'est l'idée. Donc voilà, j'espère que ça pourrait t'être utile.